Bonjour à tous. Alors, ça fait un sacré moment que j'ai pas donné de news, que j'ai pas publié, que ce soit sur podcast ou YouTube. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous dis pourquoi, je vous dis où est-ce qu'on en est et je vais vous expliquer où est-ce que je suis en train d'aller. Alors, ça fait plusieurs mois que j'ai été extrêmement focus. Focus sur quoi? Focus sur une entreprise que j'ai accompagnée et qui a fait une levée de 4 millions. Et du coup, il a fallu faire beaucoup de choses. Il a fallu construire l'équipe, la structurer. Donc, on est passé de 1 ingénieur à 6. J'ai aussi aidé à recruter le Head of Engineering, donc qui maintenant gère toute l'équipe et qui continue de la faire grandir. Beaucoup de challenges, je reviendrai certainement dans de futurs épisodes sur les challenges justement de cette phase d'accélération après investissement. Mais aujourd'hui, je suis à Singapour en réalité, en train d'aller au Singapore FinTech Festival, donc un festival. Je crois qu'il y a plusieurs milliers de personnes, toute l'Asie, qui vont parler FinTech. La FinTech est vraiment très très trendy ici en Asie. Et du coup, bah, je vais dans les futurs épisodes vous parler de Web3, vous parler de smart contracts, de tokenomics, de tout ce qui fait finalement le futur du web, le futur de la finance. J'essaierai de vulgariser ces termes-là, essayer de les rendre voilà, plus simples et potentiellement vous montrer les opportunités qu'il pourrait y avoir pour vos propres startups. Donc, attendez bien, les prochains épisodes, ils seront pour les prochains tous dédiés Web3. C'est parti et je vais essayer de vous donner un maximum durant les quelques jours que je passe ici. Voilà, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.